Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche après-midi sous Assassin's Creed Unity de tuer n'importe quoi, de tuer le roi des thunes. Salut Quentin, ça va avec toi? Mais ça se fiche gavé tard, c'est quoi ce bordel? What the fuck? Attends, j'ai tout commenté, ça fiche gavé tard. Ça va ou quoi? Ça va et toi? La forme, la forme. J'ai le live qui charge. Bah écoute, tranquille. Hein. La forme, comme d'habitude. Alors. Un coffre ici. Ah non merde, c'est vrai, putain, il faut que je récupère pas besoin de crocheter là. Mais attends. Ah non, il m'a dit non. Bon, what's next? Ouais, la mission ici, par ici. Ouais, j'ai vu que tu jouais, je sais pas quand. Ouais. J'ai vu que tu l'avais. Ouais, ouais, il est gavé en Brotherhood. Ouais. Brotherhood, je l'avais fait sur sur Xbox, moi. À l'époque. Il est méga bien. De toute façon, la trilogie avec avec Ezio, elle est. Elle est méga bien. Bon d'ailleurs les amis, en parlant du méga bien, une petite annonce à vous faire. Que j'ai fait, j'ai créé un compte Twitter pour la chaîne. Alors je crois que je l'ai mis en description. Mais ils ne sont pas sûrs là. Non, elle est pas en description, mais elle est dans, dans ma description de la chaîne. Donc bien évidemment je vous invite à que sera fait les concours, notamment celui pour les, qu'est-ce que tu fais toi, notamment le concours pour les 50 abos. Donc d'ailleurs j'ai vu hier que on était passé à 25. Apparemment ma nouvelle bannière attire du monde. Donc merci beaucoup pour les nouveaux abos. Bienvenue dans la team. Presque les tentes, ouais, grâce à toi, nickel. Nickel, merci beaucoup. Si je travaille d'équipe, j'ai envie de te dire. J'ai vu ça, ouais, presque les 30, là... Ça monte, ça monte. C'est ça qui est bien. C'est ce qu'il faut. C'est gratuit. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Que j'aime bien sa gueule. Alors. Normalement, on doit retrouver ce fameux Germain. Hein. Hop, hop, hop.
Ezio. Ah, Ezio, ça c'est. Ouais, non, non, non. Là. Non. Voilà. Hôtel de ville. On a la mairie de Paris, les gonzes. Attrapez-moi un Hidalgo, bordel de merde. Allez. Allez. On va redescendre, hop. Une pousse gazette. Moi j'ai pas pris la gazette. Allez, on se pousse, on se pousse, on se pousse, on se pousse. Ah, on s'en fout. On n'a pas le time, on n'a pas le time, on n'a pas le time. Non. Toi, 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 t'as pas la gazette. C'est pas bien, c'est pas bien. Chute la gazette. Hein. Je vais me voler parce que j'y vois plus rien. Hop, voilà. Là, il va beaucoup mieux. Achète la gazette, achète la gazette. Où est la cocarde? En haut. Dégage-toi. Bouge de là! J'ai cru que j'allais me faire des synchros, wesh. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Bienvenue à vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà pas fait. Hop là. Assassiné, ni vu ni connu. Hop, hop, hop. Ah non, je crois qu'elle a bougé, là, c'est bon. Café de théâtre. Hop, 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 hop. Moi, j'ai pas la gazette. Ouais, ouais, ouais. Explorer café théâtre. Hop, c'est parti. Mission, mission. Merde, mais je suis dans le live, je suis dans le live. Quand je tiens, achète-moi cette gazette. Dépêche-toi. Sinon, ça va mal aller, j'en vois Rano. Quel est cet endroit? Il est relié au sanctuaire. C'est moins prestigieux que l'entrée de la Sainte Chapelle, mais l'immeuble nous appartient. Il faisait partie de notre réseau d'information. Je dois dire qu'il a connu des jours meilleurs. Comment puis-je aider? Je resterai à l'affût des occasions qui se présenteront. Vous pouvez aussi vous adresser au régisseur afin de restaurer le bâtiment. C'est que je suis loin d'être riche en ce moment. L'argent que rapportera le café vous reviendra et vous en ferez ce que vous voudrez. L'argent sera déposé dans le coffre du bureau. Et plus vous restaurerez l'endroit, plus l'affaire me rapportera. En effet. Vous découvrirez aussi qu'étendre nos activités dans d'autres quartiers rapportera des dividendes. Merci. On braque une banque alors. Ouais. Oh non, mais il est dehors. Y'a quoi? Tenue d'assassin. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Allez, ah. En bas. Oui, en bas.
Ah oui, il faut aller au sous-sol. Putain, c'est où déjà? Ouais, mais ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas de thune, donc... Non. Non, t'es pas là. C'est pas là non plus. S'il faut faire. Non, non, c'est pas grand truc, on s'en fout. On va faire ça après. Ouais, mais lui, il est pas un peu bugué, lui. Aïe, 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 aïe. Ah, je veux passer par-dessus, évidemment. Mon émission cop, on verra ça plus tard. Parce qu'à mon avis, trouver du monde, ça m'étonnerait fortement. Bon, putain, ce passage secret là, il est où? Non. Non. Mais putain. Bureau d'intendant. Je m'en rappelle plus, faut aller. Ah mais je suis gavé con, putain, mais non, c'est pas là, mais. La boulette. Ouais non, t'as encore rien vu ma poule. Je te le dis, t'as encore rien vu. Ce n'est que le début. Allez, c'est parti. Je dois aller, vas-y, y'a pas de soucis, bon après-midi à toi. Et puis à la prochaine tour, un nouveau live. Mon ami, comment vas-tu? Ça va, tranquille, et toi? Vous avez triste mine. Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, mentor. Seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de la sœur? Le roi des mendiants. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois indigne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et son père n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur de la Serre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur de la Serre. Une épingle fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. C'est tout? Ah non. L'enfer.
On va aller découvrir la zone. Hop. Salut Arnaud. Attends. Est-ce que j'ai tout là? J'ai pas tout. Tout ravitaillé. Où je m'émine? Putain, j'ai pas une thune quoi. On va en acheter une déjà. Hein. Mais putain de merde. On va en acheter une. Compétence. Est-ce qu'on peut pas avoir la santé sans collectif? On s'en son tape. Terminé à 55. Ah, ça va compter bien, mais il en faut 6. On va le garder. Ça, c'est bien, ça. Quand tu rentres dans un truc où il y a beaucoup de mobs, ça peut être pas mal. Allez. Ça va, ça va plus de 200 mètres. Tu dois en tête, toi. Quoi? Hé! C'est à moi! Allez! Quelqu'un! Ouais, bah tu te démerdes, écoute, hein, tu le plaques, tu te débrouilles. Hein? Ma foi, il est impressionnant. Ah putain, je traverse la vie, j'aurais pas dû. Il m'a vu. Putain, la lune. Allez, dégage. Bon, on va passer par les toits. Hein. Se faire moins voir et puis oups. Allez, dépêche-toi. J'ai pas vu qu'on était dans une zone à risque énorme.
Ok. Ensuite, la mission, elle est ici. L'orfèvre. On va se voir là. Hop, hop, hop. Hop, tout le monde descend. Saute là. Voilà, saute là. Saute là-bas. Descends un peu. Aïe 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 aïe. C'était pour aucune raison quoi, c'est un truc de fou ça. Oui. C'était pas vu? Non mais. Ouais si j'arrive là comme ça. Ça c'est en haut, hop, c'est bon. Hop, hip hop. C'est parti. Eh bien, voilà qui est pour le moins suspect. Trop légèrement. Porte crochetée. J'ai pas de lame furie. Putain. Se barrer là. Oh putain, mais genre. Bon, attends. Tu vas me dire qui sont les révolutionnaires. Sortez d'ici, ce méchant. Si c'est arrivé, on tout. Entrez-les dans le meilleur journal de Paris. Attends, parce que évidemment, je vais me faire voir. Ils vont me faire chier. Que je contourne tout là-bas. Ouais, on va passer par là. Ça va être le mieux. Alors, viens avec moi, la confrérie a besoin de toi. Hein? Non, non, mais je peux mettre son cop. Hein. Ah putain, elle est juste là. Eh ouais, mais là pour entrer, c'est trop la merde. Tiens.
Il est bugué. Ok, ça c'est fait, ça c'est bon. Non. On va se dépêcher. Oh le stress. Il faut que je crochette. Oups. Merde, mais putain. Quelle conne. Mais bon, allez, nique sa race. Ça, je le ferai quand je referai ça. Alors. Normalement, ils sont derrière, là. Ça va être trop la merde. En plus, il faut que j'aille là-bas. Oh la merde. Sans bas terrain. Je rêve. Ok. Ah, ça a bugué, c'est quoi le bordel? C'est bon. Donc. Ah putain, il y a du peuple là. J'ai le temps. Vous ne nous arrêterez pas. Je pensais toujours que j'avais le temps, mais en fait il s'est retourné pipa le moment où je passais, comme par hasard. On est censé être tranquille. Attends, c'est un moment, je pourrais racheter. Ah non, putain, je peux pas. Un petit peu d'argent. Pire, je vais faire le nettoyage là et je vais revenir. Ça fait 3 semaines que je suis là et je n'ai jamais vu quitter cette caisse. Encore. À mon avis, il sait même pas qu'on est là. Une minute, qu'est-ce que...
Ok. Bon, écoute. Attends, on va essayer de crocheter là. Ça m'énerve. La pub de putain. Yes. Est-ce qu'il y a un blason là? Hop là. Monsieur Germain, l'orfèvre. Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de ceci. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque nous serons loin. Mais nous devons partir. Avant le retour des gardes. Bien, allons-y. Non! Ils surveillent l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors suivez-moi, et gardez le silence. Évidemment, là où j'ai pas fait le ménage. Putain! Avancez. Oui. Ne bougez pas. Putain, putain, ça bug, ça bug, ça bug. Mais what, putain? Non mais... Je peux pas parer, c'est quoi ce bordel? Par ici. Bien sûr. What the fuck? Je sais pas si vous en entendez, mais j'ai un peu de son. Merde, pourquoi je prends deux sens? Oh! Oh! Torrent! Yes! Ah non, c'est configuré comment ça? Permis, c'est bon.
En route. Certainement. Ouais, un moment. En gros. Que j'avais me faire chier. Normalement, ça devrait être bon. Eh putain, c'était pas bon. Mais non, putain! Putain, ça saoule ça. Mais non. Qui repartent là-bas. Hop. Par ici. Hop. Voilà. Un moment. Je sais pas, j'ai rien, putain. J'ai pas de lampe fantôme, j'ai rien. Et voilà, putain. J'ai encore la bug de son. En route. Bien sûr. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Un instant. Je crois qu'il faut pas chercher à comprendre. Mais j'aimerais que tu mettes des lames par contre. C'était pétard au complet, ouais, mais. Petit bouffe-bouffe quoi. Alors. Porte crochetée. Ça m'a arrêté là. Premier coup. Attends, porte crochetée. Ouais, putain, il y en a une là. Un moment. Attends, je sais faire le défi parce que. Toutes les portes sont fermées. Ah, ouais. Ouais, ça c'est la même par contre.
Bon. Que tu me fais toi? Que tu me fais? Que tu me fais? Que tu me fais? Alors, attends, on était par là. On était là. Mais non, mais non. C'est ça qui me fait chier, putain. Ça va pas confirmer le défi, quoi. Alors, laissons parler la raison. Relâchez leur fèvre. Recule. Seigneur Dieu. Qu'ai-je fait? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mec, tu veux pas me vendre des trucs? Bâtard. Merci. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je? J'ai fabriqué la première il y a des années, une commande spéciale. La dénommée Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière, et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un Templier. C'est cela que vous avez découvert? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut, surtout des armes. Où puis-je le trouver? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée.
la fille. Je vous souhaite la bienvenue. Vraiment la merde. Attends. Parade parfaite, ça j'ai pas fait. Ça c'est bon ça. Comment je fais là? Donc on va libérer la zone ici. C'est pas ça que je voulais faire. Déjà, on va m'avancer comme ça. Mais personnalisation du personnage, c'est ça. Voilà, ça c'est bien ça. Ça, tu prends en apparence. Il y avait double assassiné aussi qui est pas mal. Ouais. Bon. Ah non. Ouais, ok. Toute la thune qu'il faut. Mais 2000 balles. Thank you.
ça doit... Je sais pas, elle est tout. Comment ça, Slim? Slim? Une cocarde là. À nous deux, la première. Où est-ce que tu te caches? Attends, je voudrais trop me déguiser en Lenny en vrai. Non, mais non, mais... Je vais me faire dégoumer, Ah merde. Ça a pas du tout marché, ça a pas du tout ce que je voulais faire. Pistolet.
Si ça m'égonfle, que ça m'égonfle. Putain de merde. Galère. Tolé, wesh. Je sais bien, j'ai pas acheté genre une balle, quoi. J'en ai acheté trois. C'est le début. Soyez les sous, soyez les fous. Toutes ces armes ne me disent rien qui vaille. Lafrenière doit préparer une action d'envergure. Hop, hop, hop. On va les semer. Il y a du monde, il y a du monde. On va faire diversion. Hop là. On fait ça. Tranquille. Ils sont là. Explorer les halles. Mmh. Non, ça ne va pas.
y a un mec juste là. Putain. Oh, mais j'ai des 5 lames fantômes. C'est bon, on est tranquille. Hop. Voilà. On va saboter. Voilà. On est au Kylem, mon mec. Je te tiens. Meurs, sale modéré. C'est qui? Je l'ai pas vu, mais... Mais attends, mais... Ah ouais. Voilà. Il est mort. De Tammy, mais... Ah, oui. Ouais, ok, ok. Perdu sa trappe. Ah, mais ils sont revenus, eux. Ouais, bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. On va faire... On est monté par où, tout à l'heure? On est monté par là, on va faire ça, là. Non, mais... Écoute, arrête de faire n'importe quoi. S'il te plaît. Reprends un peu de sérieux. Voilà. Ça y est. Quoi qu'il prépare, il a prévu grand. Et maintenant, je sais où te trouver. Maître. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Foutons les feux, Tim. Nom de Dieu.
réserve de poules, elles vont sauter. Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple. Ça compte plus de fois. Merde. T'avouerais là que... Mais non. Et merde. Et merde, et merde, et merde, et merde. Je pensais que ça allait passer. Et non. Passer par dessus, dessous. Non. Non.
Cache-toi au cœur de la foule. Bon. Ah, assassinat. Ouais. Meuble. Ah oui. Les renforts arriveront avant la venue du maître. Nous posterons des tireurs sur les toits. Toutes les instructions sont là. Au travail. Devrait les accompagner? Les gardes du corps du maître? Ils sauront se débrouiller. Il doit avoir raison. Je ferais bien trouver un endroit où attendre avant que les autres n'arrivent. Créer des opportunités. Tiens, regarde, quatre entrées. Opportunité d'aide. Ah, il faut savoir les quatre cloches d'alerte. Thank you.
Je veux faire l'objectif d'abord. Hein? Attends, c'est une fenêtre. Ouais. Jamais trahi. Ceci indique précisément où se trouvera la fenière à chaque étape. Il n'aurait pas pu me rendre la tâche plus facile. Cette fois, je te tiens. Hé, hey Arnaud. Tes jours sont comptés. La loi, c'est la loi. Je vais te faire le portrait. Tu peux revenir sur les gargouilles. Occupez-le. Tu es pas ça. On va attendre un tas de foin. J'aime quand ma cible fait tout le travail. Voilà.
La vérité est en danger, mes frères. On l'assaille de toutes parts. Les Jacobins l'ont attachée au chevalet pour la soumettre à leur vindicte démagogique. Toi, tu dégages. Il y a du monde, non ? Ah ouais, il y a quand même beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais bouger, toi ? Non ? Si, voilà. Non, toi, il faut qu'on te regarde ailleurs. Meurtre discret. Ouais, mais vous êtes bien mignons, les gars, mais tout est prêt. Putain, j'ai pas d'homme fantôme, mais merde. Allez, bouge, bouge. Il va où? Non, mais il va pas du tout dans le fond, là. Merde, merde, merde. What? Pourquoi un tel bruit? Assassiner, mais... Messieurs, nous vous offrons le meilleur de la technique autrichienne. Le Mousquet modèle 1791. Il est plus puissant que votre vieux modèle 1777. Il porte plus loin et il est plus précis. Je vois que votre maître ne s'est épargné aucune dépense pour que ses troupes d'élite aient ce qu'il se fait de mieux. Ah ouais, et pour nous, ce sera des pierres et des couteaux de cuisine. Je n'arrive pas à croire qu'il veuille que l'on donne l'assaut après la destruction de l'entrepôt. Silence, vous deux. Vous avez bien reçu le paiement ? Naturellement, Mindbrood. Vous avez rendu un grand service à la France et à l'ordre. Nous ne l'oublierons pas. Le rite autrichien est toujours dévoué au véritable ordre des Templiers. On va se casser, hop, huit. Je pensais pas qu'il allait voir ce bâtard. Non. Non mais moi je mets. Non, vas-y, tue-moi. Tue-moi. Voilà. Allez. On refait. On a fait que de la merde. Putain de merde. Je
prophète s'adresse au peuple en mettant liberté, égalité, fraternité au sein même. Il y a quelqu'un ? Il en faudra bien plus pour dissuader les amis. Union, force, vertu. Tenez-vous prêts, mes frères. Ce soir, la vérité est de notre côté. Je crois que je vais monter en hauteur. Je vais être tranquille. Vous avez bien reçu le paiement ? Naturellement, Mindgood. Vous avez rendu un grand service à la France et à l'ordre. Nous ne l'oublierons pas. Le rite autrichien est toujours dévoué. Hein ? Voilà. On l'a fait propre. Lève-toi. Sois le bien. Vous ne lui faites pas confiance, n'est-ce pas ? Mirabeau est un homme. Un homme honnête. Mirabeau est un ivrogne, un but de sa personne. Tu ferais mieux de ne pas oublier qui est le grand maître de la première. Porte immédiatement ceci au grand maître de la secte. Remets-le-lui en main propre. Oui, maître. Maître, nous avons un problème. Christophe a transmis des informations à nos ennemis. Nous devons partir du principe qu'ils connaissent ce lieu. Il va falloir devancer nos plans. Très bien, les hommes. Nous attaquerons l'hôtel de Beauvais ce soir. Une faille. Initié, ici Bishop. Tu as l'air de plutôt bien tenir le coup. Salut Bishop. On a fait une découverte majeure. Nos analyses approfondies des données
ont révélé que le sage qu'on recherche était un grand maître des Templiers. L'homme que traque Arnaud. Malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Ça y est, tout a été mis à jour. Fais-en bon usage. On te contactera. Aptitude d'assassin débloquée. Roulez-boulez, nouveau assassinat rien. D'accord. C'est quoi ça? Maître d'armes. Encore, encore. Puissante. C'est mon jet direct. Comme ça. Nombre de bourses. Ouais. Pff, ça, c'est pas très tip top. Ça me fera. Double assassinat, rien. Ça, ouais, il va falloir ça. Il en faut 8 en tout. Pour les deux. Ah ouais, j'ai un peu plus de... Ok. Yeah. D'accord. Part en chargement. Mm-hmm. Ah non. Non. Hein? Non, pas un mot. Ah oui. Non mais le fric que ça coûte quoi. Je sais même pas cette une d'ailleurs. Ok. Réduction c'est que des dégâts subis. Ah non, il faut choisir ça. Ah. Augmentation de sécurité des dégâts infligés. Réduction. On va mettre ça. Je pense que ça va être le mieux. Je pense que ça va être le mieux. C'est où ça déjà? Ok, fait ça. Bon, c'est une petite dernière mission. Est-ce que j'aurais pas un... Si, bien sûr. J'ai eu un déplacement rapide. Mais oui. Thank you.
Bonjour. Salut, ça va ou quoi? Attends, faut que je reprenne la thune là. Ah oui, non, mais attends, c'est vrai que ça me prend ma thune à moi. Ah non, c'est vrai. Bon. Écoute, on va déjà prendre l'argent. Hein. Je pense que ça sera pas mal. C'est vrai qu'on a débloqué. Joli bénéfice. Ah oui, tu parles. 80 francs, c'est pas non plus foufou, quoi. Salut, meuf. Ça veut quoi? Vous venez vous battre, monsieur? Pardon? Ah non. Ah non, non. Ça n'est jamais trop bien préparé. Notre objectif? Ah non, mais non, non. Un peu d'exercice? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oui, oui, oui. Ça, c'est de ta détaillère. Pélec. Celle-là, elle est grave. Celle-là, elle est dégueulasse. Le plomb à la fin d'envoi, nocturne, enfin tout est le mauvais. Son noble en armes honorées, sans la présence du général Lafayette. Assez ! Veux-tu bien cesser tes jérémiades ? Tu ne fais que parler sans agir. Mais voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Arnaud, qu'as-tu appris de l'orfèvre ? Germain a fabriqué cette épingle, ainsi que d'autres, pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve Monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un bon sang, qu'est-ce qui t'a fait? Ce conseil admire ton zèle, mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Penser ? Suggérant ? Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs,
Je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions ? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant. Mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission au monde. Ah ! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais pas d'autre imprudence. Oui, Mantar. Je m'en fais bouger. Ok. C'est parti. Salutations, citoyens. Par contre, j'ai un petit peu plus de... ma thune, wesh. Je veux même pas acheter une lame fantôme. C'était le fail ultime. Voilà l'endroit. Pourquoi Lafrenière s'y intéressait tant ? Emmenez-le là-haut, vite ! La touche, mon vieil ami. Tu vois du pays, n'est-ce pas ? Les touches. Halt!
Tara, c'est du monde. Mes oreilles ne m'ont jamais trahi. Où est-ce que je peux rentrer? Citoyens, on ne bouge plus! Dans mon coco, tu vas souffrir. Vas-y, il y a gavé de monde là. J'en sais rien, mais si t'as un peu de bon sens, tu chercheras pas à le savoir. Digne de mort. Caligula condamna à mort ce qui était assez sacrilège pour se déshabiller devant l'image de l'empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes, ou des actions héroïques, qui eût osé penser qu'il pouvait mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de lèse-majesté, dans le fanatisme, de l'union monstrueuse, de l'ignorance, ça ne me plaît pas. Quand il conscient dans son délire de venger Dieu lui-même. N'oublions pas que la première est toujours aussi impatient de nous envoyer au duché. Vous n'avez pas quelle nouvelle? Et la première, moi, au niveau des deux autres. Les assassins. Voilà qui semble si bien commun. La peine de mort est nécessaire. Parlez-leur d'un fils d'un templier et ils chercheront pas à en savoir plus. Avez-vous calculé tous les ressorts allant chercher lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine? Hélas, avant la mort, combien de douleurs physiques et morales l'homme ne peut-il pas endurer? Le désir de vivre cède à l'orgueil. La plus impérieuse des passions qui maîtrisent le cœur. La plus terrible. Oh,
fonctionnaire. Terminé. Presque. Moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'une heure. Peut-être même. Moi, on fait tout ce travail à la lame. Alors, autant y porter. Dis-moi où il se trouve, et je mets fin à tout ça. Nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu la fouine, les gars. Vous l'avez vraiment jeté par la fenêtre. La place des ordures, c'est à niveau. C'est fâcheux. Vous avez pensé aux témoins ? Quels témoins ? J'avais des hommes partout. Ils savent faire taire les bons samaritains. Vaudrait mieux. Le grand maître sera furieux si son plan s'écroule à cause d'un malheureux cadavre. Œuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes ? Un tueur, une lame, un couloir sombre ? Ce serait facile. Nous voulons un condamné, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Sivert et le roi des dieux. Sivert et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on s'est déguidé. Et la fille de Delacer ? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle Delacer se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand-chose à lui dire. Élise. Habile, grand-mère. Et vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi. Si je peux me permettre, vous n'aurez pas toujours autant de chance. C'est juste. Il y a un espion par ici! Presque. Arrêtez-le! C'est un espion du roi!
chien qui me mordrait. Oh, de grâce. Bon, les amis, on va s'arrêter là. La suite, apparemment, il est en danger. Donc, il va falloir la sauver. Moi, je vous dis à mercredi après-midi pour un nouveau live et pour la suite d'Assassin's Creed Unity.